près de 2 ans après qu'Haïti a demandé une aide d'urgence pour stopper la flambée de violence des gangs. La population est mitigée à l'annonce de l'arrivée de centaines de policiers kényans. Si certains dans les rues de Port-au-Prince saluent leur venue, d'autres attendent les forces kényanes avec méfiance. Pour moi, la police kényane a pris trop de temps à venir. Ça fait 4 ans qu'on souffre et si les autorités pouvaient faire quelque chose, elles l'auraient fait depuis bien longtemps. Nous sommes dans une prison, nous ne pouvons aller nulle part, nous ne pouvons pas aller à la campagne, nous sommes emprisonnés à Port-au-Prince. La police nationale haïtienne ne compterait officiellement que 4000 agents en service dans un pays de plus de 11 millions d'habitants. La mission principale des Kényans n'a pas encore été définie. Ce ne sont pas les étrangers qui vont résoudre nos problèmes. C'est à nous de trouver des solutions, mais nous acceptons quand même leur aide parce que nous ne pouvons pas circuler librement car il y a beaucoup de zones chaotiques dans le pays. Nous ne pouvons pas manger, les gens dorment dans les rues et les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Des forces venues des Bahamas, du Bénin ou encore du Tchad se joindront aux Kényans, soit un total de 2500 policiers qui seront déployés.